Pour moi, Wikipédia est tout à fait utilisable, ou enfin, quand même praticable, par des collégiens. Ça fait 8 ans que je pratique avec des collégiens sur la contribution d'articles à Wikipédia. Ça va de projets autour de Toulouse, à des projets à partir de tribus indiennes, en passant par des contributions plus scientifiques avec le prof d'SVT. J'ai travaillé en collaboration avec le professeur d'histoire et on a du coup listé les endroits dans l'encyclopédie qui pourraient être améliorés ou complétés. Et ensuite, on a déterminé des groupes avec lesquels on a contribué à des échelles très différentes. Certains élèves ont créé un article entier sur Urbain Vitry, par exemple, qui a fait les grandes percées haussmanniennes dans Toulouse, ou d'autres ont simplement rédigé deux lignes à propos de la destruction des remparts. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le projet, c'est que chacun, à sa manière, pouvait apporter sa contribution sans qu'il y ait, et c'est ce qui était intéressant aussi, de concours ou de recherche de l'excellence. Voilà. Et l'effet que j'ai observé, c'est qu'il y a une sorte de familiarisation de la contribution. Et du coup, un regard à la fois de lecteurs critiques et d'auteurs potentiels sur toute leur lecture des articles. Commun, partager le savoir, sachant que chacun, à sa manière, peut y contribuer. Et, enfin, ouais, commun. Très bien.